Catherine Ascorson de Grey's Anatomy craque pour sa petite Paloma, porteuse de trisomie. « Quand votre bébé vous regarde et que le monde entier devient magique », écrivait sur Instagram Catherine Ascorson en mai 2017, quelques mois seulement après la naissance de sa deuxième fille prénommée Paloma. Déjà maman d'une petite Elisa née en juillet 2012, la comédienne avait annoncé sa deuxième grossesse au mois d'août 2016, dévoilant au passage son baby bump. Depuis, l'actrice de 36 ans qui incarne Amelia Shepherd dans Grey's Anatomy immortalise chaque tranche de vie passée avec sa famille. Et même si Paloma est porteuse de trisomie, cela ne l'empêche pas d'être une petite fille craquante. D'ailleurs, pas une semaine ne passe sans que Catherine Ascorson et son mari Rob Gill, membre du groupe The Rescues, ne postent des photos de leurs deux petites merveilles. Des clichés magnifiques sur lesquels toute la famille semble transportée de bonheur, consciente de la préciosité de chaque sourire. Alors que la saison 14 de Grey's Anatomy enthousiasme de nombreux téléspectateurs, l'actrice de son côté reste très active sur les réseaux sociaux, partageant avec ses fans son quotidien, ponctué de séances de travail et de moments passés avec sa fille. Elle est faite de poussière d'étoiles et de tous les rêves les plus doux. « Ma petite colombe », a-t-elle par exemple écrit à côté d'une photo sur laquelle la petite Paloma dort paisiblement.